Shalom, shalom, shalom au bien-aimé du Seigneur. Je suis contente de vous retrouver en ce jour pour célébrer ensemble notre Seigneur. La Bible nous dit que Dieu a créé toute la terre et tout ce qu'elle contient en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé de ses œuvres. Il a admiré toutes ses œuvres et il a vu que tout ce qu'il avait fait était très bon. Aujourd'hui, nous aussi, on marque une pause pour célébrer notre Seigneur, celui qui a tout créé par sa main puissante. C'est le jour de la célébration du Seigneur et j'espère que tu es très très content comme moi d'être là en ce jour pour célébrer notre Seigneur Jésus-Christ. Alors avant d'aller plus loin, nous allons d'abord baisser les yeux, fermer les yeux, baisser la tête et nous allons prier pour recommander ces temps au Seigneur. Excellent Père de grâce, nous te bénissons. Papa, bon Dieu, c'est toi qui nous as donné de voir ce jour et de permettre que nous puissions t'adorer, être ensemble pour te célébrer. Nous sommes là, Seigneur, pour te célébrer avec notre cœur. Nous sommes là pour te célébrer parce que nous t'aimons. Et merci, Saint-Esprit, de nous conduire pendant ces excellents moments de célébration, que nous puissions adorer, chanter, célébrer et écouter la parole de Dieu attentivement pour te rendre toute la gloire. Que l'honneur et la gloire te soient rendus à toi seul, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Avant d'aller plus loin encore, nous allons réciter le verset qui va nous porter pendant ce temps de célébration du Seigneur. Et le verset se trouve dans Ésaïe 9, verset 6, qui nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en son honneur, en ce jour que nous sommes là et que nous allons chanter. Nous allons chanter le nom de Jésus pour le célébrer lui seul. Amen, amen, amen. Et nous allons commencer avec ce chant que tu connais certainement. Hosanna, gloire à Dieu, gloire au Fils de Dieu, gloire à Jésus-Christ qui est venu sur la terre, qu'il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous aider, il est venu pour nous montrer le chemin de la vie, il est venu pour nous réconcilier avec notre Papa bon Dieu. Et j'espère que tu es déjà debout en train de commencer à faire des pas de danse avant que nous commencions à chanter. Alléluia. Et tu vas faire comme Tata Christiane, on y va. Et un, et deux, et un, et deux, et un, et deux, et un, deux, chant. Hosanna, gloire à Dieu, béni soit le Seigneur notre Maître. Hosanna, gloire à Dieu, béni soit Jésus-Christ le roi des... Encore Hosanna. Hosanna, gloire à Dieu, béni soit le Seigneur notre Maître. Hosanna, gloire à Dieu, béni soit Jésus-Christ le roi des... Encore une fois, Hosanna. Hosanna, gloire à Dieu, béni soit le Seigneur notre Maître. Hosanna, gloire à Dieu, béni soit Jésus-Christ le roi des rois. Il est venu pour sauver l'humanité, pour enlever nos iniquités. Hosanna, gloire à Dieu, béni soit le Seigneur notre Maître. Hosanna, gloire à Dieu, béni soit Jésus-Christ le roi. Encore Hosanna. Hosanna, gloire à Dieu, béni soit le Seigneur notre Maître. Hosanna, gloire à Dieu, béni soit Jésus-Christ le roi. Et le prochain couplet nous dit: il est venu pour guérir les cœurs brisés, pour nous aimer et nous consoler. Hosanna, gloire à Dieu, béni soit le Seigneur notre Maître. Hosanna, gloire à Dieu, béni soit Jésus-Christ le roi. Encore Hosanna. Hosanna.
soit le Seigneur notre maître. Hosanna, gloire à Dieu. Béni soit Jésus-Christ, le roi des rois. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir accepté de venir sur la terre pour nous sauver, pour nous aimer. Car si Jésus est venu, c'est pour cela, pour que nous soyons heureux, pour enlever toutes nos iniquités, pour nous pardonner, pour nous donner la joie, pour nous remplir de son amour. Amen. Et c'est pour cela que nous allons bénir notre Seigneur avec ce chant. Béni soit le nom du Seigneur. Fais la main comme Tata Christiane. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Ne sois pas fatigué, on bénit le Seigneur encore. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses rues pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses rues être sauvé. Et nous disons glorifiant, glorifiant le nom du Seigneur. Alléluia. Glorifiant le nom du Seigneur. Glorifiant le nom du Seigneur, le Très-Haut. Oui, Jésus-Christ est le Très-Haut. Glorifiant le nom du Seigneur. Glorifiant le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est? Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses voies pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses rues pour être sauvé. Nous honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, honoré. Honorons le nom du Seigneur. Alléluia. Honorons le nom du Seigneur. Il est le Très-Haut. Gloire à Jésus. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Et on finit en acclamant le nom du Seigneur. Acclamons le nom du Seigneur. Acclamons le nom du Seigneur. Acclamons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Oh, alléluia. Acclamons le nom du Seigneur. Acclamons le nom du Seigneur. Acclamons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ que nous avons acclamé et adoré. Amen, amen. Amen. Nous allons passer à l'adoration et je vais t'inviter à te mettre dans une attitude adorateur en te prosternant. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus d'être venu sur la terre
nous sauver. La Bible dit dans le récit de la naissance du Seigneur que lorsque le Seigneur Jésus devait naître, il y a des rois mages qui ont vu son étoile briller. Donc ils ont su que ce n'était pas n'importe qui devait naître ce jour-là. Ils ont su qu'il y avait un grand trésor que Dieu venait de donner à la terre. Et ils ont cherché où était ce trésor-là. Ils ont suivi l'étoile qui les a guidés jusqu'à Jésus-Christ. Et quand ils sont arrivés et ils ont vu la mère et l'enfant, ils se sont prosternés et ils ont offert à Jésus-Christ des biens précieux. C'est comme quand un enfant naît sur la terre, même ici, avec nos parents. On voit des gens qui viennent offrir des cadeaux au bébé qui vient de naître. Il y a des couches, des vêtements, la nourriture. Et c'était la même chose pour le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui est venu pour sauver l'humanité. Et ils ont offert, la Bible dit qu'ils ont offert l'or, ils ont offert l'encens. Ils ont offert beaucoup de biens précieux au Seigneur Jésus. Et nous, aujourd'hui, nous allons dire au Seigneur Jésus que nous lui offrons nos cœurs, notre vie et tout ce que nous avons. Nous lui offrons tout parce qu'il est notre Seigneur et nous le reconnaissons comme tel. Amen. 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 Merci Seigneur Jésus de nous avoir donné ta vie, d'être venu sur la terre pour nous les hommes. Ensemble, je donne mon cœur au roi des rois. Je donne ma vie au souverain sacrificateur. Et je donne tout ce que j'ai et je me prosterne pour t'adorer. Je donne mon cœur au roi des rois, au roi des rois. Je donne ma vie au souverain sacrificateur et je donne ce que j'ai et je me prosterne pour t'adorer. Alors tu vas prier avec moi, tu regardes tout ce que tu as, tu dis au Seigneur Jésus que tu lui donnes ton cœur parce que ton cœur est bien plus précieux que toute autre chose. Le Seigneur Jésus-Christ veut ton cœur. Au Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mes pensées. Maintenant, quand je pense, je veux penser comme toi. Maintenant, quand je parle, je veux parler comme toi. Parce que tu es venu sur la terre pour me montrer comment on parle, comment un enfant de Dieu doit parler, comment un enfant de Dieu doit penser. Je te donne ma vie, je ne veux pas faire n'importe quoi avec mon corps. C'est pour cela que, Seigneur, je veux prendre soin de mon corps. Car je te donne ma vie, elle n'est plus à moi. Je te donne tout ce que j'ai, car je reconnais que ce que j'ai me vient de toi, ô Seigneur Jésus. Merci, merci Seigneur Jésus, car tu es venu pour nous et nous te disons en retour que nous t'aimons. Alléluia. Nous allons encore le dire une fois. Je donne mon cœur, je donne mon cœur au roi des rois. Je donne ma vie au souverain sacrificateur. Et je donne tout ce que j'ai. Et je me prosterne pour t'adorer. Quand tu dis au Seigneur, je me prosterne pour t'adorer, tu es en train de dire, Seigneur Jésus-Christ, tu es le plus grand. Seigneur Jésus-Christ, tu es le plus fort. Seigneur Jésus-Christ, tu es le plus bon. Seigneur Jésus-Christ, tu es le plus merveilleux. Oui, parce que c'est la vérité. Il est grand, il est bon, il est merveilleux. Rempli d'amour pour toi et pour moi. Alléluia. Et tu vas rendre grâce à Dieu le Père. Car la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est Papa qui a prévu, qui avait prévu ce plan merveilleux-là. Tu vas lui dire merci pour la vie du Seigneur Jésus-Christ, qui change ta vie et qui te permet d'être appelé enfant de Dieu. Car
si Jésus-Christ n'était pas venu sur la terre, cela n'allait pas être possible. Regarde à ce que Dieu a fait pour l'humanité et rends d'excellentes actions de grâce avec moi. Dis merci, Papa bon Dieu. Merci, Papa bon Dieu. Tu nous as tellement aimés que tu as voulu que nous soyons avec toi. Et pour être avec toi, il fallait que Jésus-Christ vienne. Tu l'as donné alors que nous ne le méritions même pas. Nous étions des menteurs, nous étions des voleurs, nous étions des pécheurs. Mais toi, tu nous as aimés comme nous étions et tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Waouh! Quel beau don! Waouh! Merci Seigneur Jésus. Alléluia! Et nous allons dire que nous aimons le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas dire au Seigneur Jésus que tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes de tout ton cœur. Qu'il est le Seigneur de ta vie. Tu viens de lui donner ta vie, tu as chanté, tu as dit je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Alors tu vas déclarer encore Seigneur, ma vie est à toi, tu es le Seigneur de ma vie. Merci Seigneur, alléluia. On chante ensemble. Jésus-Christ, je t'adore, tu es le Seigneur de ma vie. Seigneur, tu es mon sauveur. Oui, quand tu es venu sur la terre, tu as illuminé nos vies. Tu nous as montré le chemin. Et toi-même, tu as dit que tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Tu es venu, tu nous as donné ta vie. Waouh! Merci Seigneur Jésus d'avoir accepté de descendre parce que tu nous as aimés. Tu as laissé ta gloire, oui, car tu étais au ciel. Tu avais la gloire dans le royaume de Papa. Tu as laissé tout ça pour venir sur la terre, pour nous sauver. Waouh Seigneur Jésus, oui je t'aime tant, je t'aime de tout mon cœur. Et on va chanter une dernière fois, Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'adore, tu es le Seigneur de ma vie, je t'aime, je et nous allons continuer à adorer notre Seigneur en lui donnant nos offrandes. Amen. Et j'espère que tu les as apprêtées. Amen. Amen. Nous allons apporter nos offrandes au Seigneur avec ce verset de 2 Corinthiens 9, verset 7, qui nous dit « Que chacun donne selon qu'il l'a résolu dans son cœur, non avec regret, ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » C'est important de savoir qu'il faut venir et donner ses offrandes au Seigneur avec joie. Quand tu apportes tes offrandes à Papa bon Dieu, tu es en train de lui dire que tu reconnais que ce que tu as eu, c'est lui qui te les a données. Tu ne peux pas lui rembourser. On ne peut rien rembourser à Papa bon Dieu. Parce que si tu devais commencer à rembourser, il faut lui rembourser la vie. Est-ce que tu peux lui rembourser le souffle de vie? Non. Tu es en train de l'honorer en tant que papa. Pour dire, papa, voici ce que j'ai. C'est pour cela qu'il faut apprêter, toujours apprêter. Pour ne pas venir donner son offrande comme ça. Non. Il faut le faire avec la joie au cœur. Amen. Amen. Et nous allons prier pour nos offrandes avant de les donner.
Merci, Papa bon Dieu, d'avoir pourvu pour moi, pour ma famille et pour mes parents. Je sais que c'est toi qui nous donnes chaque jour tout ce que nous avons, la nourriture, la protection, l'intelligence et toutes choses que nous avons. En ce jour, je viens t'apporter mon offrande avec joie. Je reconnais que c'est toi qui m'as tout donné et je te suis infiniment reconnaissant pour tout ce que tu fais et ce que tu continueras de faire. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Et nous allons apporter avec ce chant que tu connais très 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 bien. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Amen. On y va. 1, 2. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Car il est bon, il est mon papa fidèle. Encore. Car il est bon, il est mon papa fidèle. Dernière fois. Car il est bon, il est mon papa fidèle. Amen. Amen. Merci au Seigneur Saint-Esprit qui nous a conduits pendant ces temps de louange et d'adoration. Et nous prions, Saint-Esprit, pour le temps d'écoute de la parole. Viens ouvrir nos cœurs et permets qu'on puisse comprendre tout ce que tonton Jack va nous enseigner en ce jour. Que nous glorifions Jésus-Christ par notre sagesse, par notre écoute en ce jour. Au nom de Jésus, amen. Quant à moi, je vous dis shalom, shalom et à la prochaine. Shalom, shalom les enfants. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors moi, je suis très content parce que je vais très bien par la grâce de Dieu. Et je crois que c'est le cas chez vous. Ce matin, je veux vous dire que je vous aime. Je vous aime énormément de l'amour du Seigneur. Et c'est une joie pour moi de savoir que tu es assis pour écouter la parole de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a une très bonne nouvelle à nous annoncer. Parce que la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Mais avant de continuer dans la leçon que le Seigneur veut que nous apprenions aujourd'hui, j'aimerais que vous regardiez l'image qui est affichée sur votre écran. Alors, cette image, ça vous rappelle quoi? Vous voyez, il y a le gâteau, il y a des ballons, il y a des cadeaux, il y a... voilà, des petits trucs, des petites lunettes. Voilà, on voit beaucoup de choses. Ça ressemble à quoi et ça vous rappelle quoi exactement? Voilà, je vois que vous avez trouvé. Ça vous rappelle l'anniversaire. Voilà, ça vous rappelle l'anniversaire. Et chacun d'entre nous, nous fêtons nos anniversaires. Alors, c'est quoi un anniversaire? Un anniversaire, c'est le jour, c'est le souvenir du jour de votre naissance. Vous voyez, on fête cela. Chaque année, on fête cela. On se souvient du jour où on est né, parce que c'est un jour de joie. Le jour où tu es venu, c'est un jour de joie. Un jour qui a apporté la joie à papa, à maman, à tonton, tata, à beaucoup de gens. Vous voyez? Donc, le jour de la naissance est un jour important dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Et ce matin, nous allons voir
la naissance d'un enfant très spécial. Et nous allons découvrir de qui s'agit-il. Mais avant d'aller plus loin, nous allons prier. Nous allons demander la grâce de Dieu pour comprendre et recevoir sa parole. Alors là où tu es, est-ce que tu peux fermer les yeux ? Tu fermes les yeux et nous allons prier. Père, nous te rendons grâce pour ce matin parce que c'est toi qui nous réunis, c'est toi l'auteur du souffle de vie, l'auteur de la santé, l'auteur de la bonne forme qui fait que nous sommes assis pour t'écouter. Tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors ce matin, donne-nous la nourriture spirituelle afin que nous soyons rassasiés. Au nom de Jésus, amen. Amen, 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 amen. Alors, il y a quelques semaines, quelques dimanches en arrière, nous avons étudié un certain nombre d'événements qui annonçaient la venue de Jésus. Vous vous rappelez, on a parlé des prophéties qui étaient dans Ésaïe, dans Michée. On a vu qu'elles se sont accomplies. Et après, on a vu l'ange Gabriel chez Zacharie. On a vu aussi l'ange Gabriel chez Marie. Et tout ce que nous avons vu annonçait la venue de Jésus dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons continuer et voir l'accomplissement de cette parole avec la naissance de Jésus. Alors, je vous propose une vidéo de quelques minutes que vous allez regarder et juste après la vidéo, on se revoit pour pouvoir parler de la parole de Dieu. Alors donc, soyez attentifs parce que je vais à un moment donné poser des questions, même si vous ne me répondez pas, mais vous devez être en train de répondre après la vidéo. Allez, à tout à l'heure. C'est à cette époque que parvint un décret de César Auguste ordonnant un recensement de tout l'Empire. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là-bas, le temps où Marie devait accoucher arriva. N'inquiète pas, Joseph. Tout va se passer pour le mieux.
ne craignez point. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour vous. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Nous devons aller voir ce que l'ange nous a annoncé. Suivez-moi. Hé, l'homme béni, nous pouvons-nous entrer ? Un ange nous est apparu, nous annonçant la naissance d'un bébé. Notre Sauveur, le Christ, le Seigneur. Entrez. Regardez la vidéo. Ah, vous avez vu? Ça parlait de quoi? De la naissance de Jésus. De la naissance de Jésus. Alors, le texte de cette vidéo, je vais prendre la Bible et je vais vous dire le texte de cette vidéo. Donc, dans la Bible, cette vidéo a été tournée sur la base du livre de Luc. Vous vous rappelez, les dimanches passés, on a étudié dans Luc 1, quand il s'agissait de l'ange chez Zacharie et l'ange chez Gabriel. Là maintenant, nous sommes en train de progresser et nous sommes dans Luc chapitre 2. Et dans Luc chapitre 2, on nous raconte maintenant la naissance de Jésus. Voilà, donc la vidéo que vous avez vue est en relation avec Luc chapitre 2. Alors, qu'est-ce que nous apprend cette vidéo? Autrement dit, qu'est-ce que nous apprend la parole de Dieu au sujet de la naissance de Jésus? Alors, on voit que Jésus est né de Marie, comme l'ange l'avait annoncé, comme la parole de Dieu avait été dite à Marie. Vous voyez, ce que Dieu a promis, il l'accomplit. Voilà. Ça, c'est un premier enseignement que nous tirons de ce que nous venons de voir dans la vidéo. Jésus est né de Marie. Alors, je vais lire un petit passage pour que nous puissions aussi comprendre quelque chose dans la parole. Alors, dans le verset 6 de Luc chapitre 2, la Bible dit « Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. » Alors, Jésus est le premier-né de Marie. Ça veut dire qu'avant Jésus, Marie n'avait pas eu d'enfant. Jésus est le fils premier-né. Voilà, c'est important de le garder, d'accord? Alors, une autre chose aussi qu'on peut apprendre, c'est que Jésus a eu une maman sur la terre qui s'est occupée de lui. Il n'est pas venu par magie, comme je ne sais pas qui, dans quel dessin animé, il n'est pas venu comme ça, vous voyez? Donc, il est venu naturellement, même si c'est par le Saint-Esprit, il est venu comme tout enfant vient au monde. Voilà. Donc ça aussi, c'est bon à savoir. Alors l'autre aspect qui est important aussi à retenir, c'est que vous voyez, Jésus est né où? Il est né dans une mangeoire. C'est ce que vous avez vu dans la vidéo. Voilà. Il est né dans une
mangeoire, dans une crèche et dans une mangeoire où il y avait les choses qu'on donne pour les animaux. Vous voyez ? Mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu qui a tout, il a accepté venir dans une mangeoire. Oh, quelle humilité, quelle simplicité. Vous voyez, le Dieu que nous adorons est un Dieu humble, un Dieu simple. Donc cela nous interpelle pour être humble dans la vie. Et le dernier point qui m'intéresse, c'est la bonne nouvelle de cette naissance. Vous voyez, la venue de Jésus est une bonne nouvelle pour toute la terre, une excellente nouvelle pour toute la terre, et nous devons être tout le temps joyeux de la naissance de Jésus. J'ai une question pour vous. Et si Jésus n'était pas né? Et si Jésus n'était pas né, qu'est-ce qui allait se passer? Je vais vous répondre. Il y a quelques dimanches, on a fêté la Pâque. Et la Pâque, c'était quoi? C'était aussi la mort de Jésus à la croix, sa résurrection. Donc si Jésus n'était pas né, il n'y aurait pas eu la Pâque. Il n'y aurait pas eu le pardon de nos péchés. Il n'y aurait pas eu de possibilité d'aller au ciel. Donc, la naissance de Jésus est très importante parce que si Jésus est mort à la croix, c'est parce qu'il est né un jour, qu'il a grandi et il est parti pour mourir pour nos péchés. Vous voyez quelle grande bénédiction est cette naissance pour nous. Alors, nous sommes contents et nous devons toujours nous rappeler de la naissance de Jésus. Amen. Voilà, donc j'espère que tu as bien retenu la leçon de ce matin, que Dieu ouvre ton cœur pour que cette parole puisse s'installer et prendre forme dans ton cœur. Amen. Alors, nous allons prier. Nous allons prier comme on le fait tout le temps. Quand on finit la leçon, on prie pour que Dieu puisse nous aider à pratiquer les choses que nous apprenons. Alors, donc, tu vas te lever, tu vas fermer les yeux et nous allons prier. Alors, nous allons dire, Seigneur Jésus, merci pour ta venue sur la terre, car elle est une bonne nouvelle, parce qu'elle est source de salut pour toute l'humanité. Seigneur Jésus, viens me sauver de la nature du péché et donne-moi ta paix pour l'éternité. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dieu exauce nos prières. Alors nous allons passer au verset à méditer. C'est le même que nous avons commencé à mémoriser depuis quelques dimanches. C'est Ésaïe 9, verset 6. Ésaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà, je crois que maintenant vous connaissez par cœur ce verset. Nous allons le répéter, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Que Dieu nous aide à garder sa parole dans notre cœur et dans le cerveau aussi. Alors, nous allons passer aux activités. Alors, vous voyez l'image
qui est affiché. Il s'agit de faire un tableau. Voilà. Vous faites un joli tableau. Vous payez soit des papiers rames, avec l'aide de papa et de maman, bien sûr. Vous payez ou bien des papiers canson de différentes couleurs. Et puis, vous faites ce tableau-là. Vous voyez, il y a l'endroit où Jésus est né. Il y a Joseph à côté. Il y a Marie. Il y a quelques animaux. Il y a l'étoile. D'accord ? L'étoile qui a, en quelque sorte, guidé les bergers jusqu'à Jésus. Vous faites tout ça avec les mêmes couleurs et vous allez le coller dans votre chambre. Ce sera un très beau tableau que vous allez donc présenter à vos amis quand ils vous visiteront. Vous leur montrerez que c'est le tableau qui représente la naissance de Jésus. D'accord ? Voilà, faites-le. Parce que le jour où un tonton va venir vous visiter, il va venir vérifier si vous avez fait le tableau. Voilà, donc bon courage et que le Seigneur vous inspire. Amen. Voilà, donc nous allons maintenant passer à la bénédiction finale. À la bénédiction finale. Alors donc tu vas te lever encore et tu vas donc répéter avec... Bon, pas répéter, mais... Tu vas dire Amen quand je finis donc de dire la parole de bénédiction. Je prie que le Seigneur vous donne la joie de sa présence cette semaine et nous disons Amen. Je prie qu'il vous accorde le salut dans toute situation et nous disons Amen. Je prie que sa grâce abonde dans vos vies et nous disons Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du culte. Alors, je vous souhaite de passer une excellente semaine. À bientôt. Et n'oubliez pas, après le culte des grands, il y a l'appel avec les moniteurs et les autres enfants. Donc, dites à papa et à maman de ne pas oublier. Bye bye. Shalom.